Bien aimés frères, bien aimés sœurs, nous allons commencer un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau livre, le volume 1, dont le titre du thème général, c'est Alors, viendra la fin. Et le titre du livre 1 ou du volume 1, selon votre préférence, c'est l'édification de l'Église. Et nous allons parler de la première semaine dont le titre c'est le signe de la fin des temps. Je voudrais rappeler que nous avons terminé le livre antérieur de la série et cet évangile du royaume sera prêché. Et maintenant, nous sommes en train de commencer une nouvelle série. Qui a comme titre, alors viendra la fin. Donc, nous allons commencer le tutoriel en soi. Et la première semaine a comme titre le signe des temps ou le signe de la fin des temps. Et on va commencer avec lundi. Lundi, c'est une vision panoramique de la première partie de l'évangile de Matthieu. OK? Et pour cela, pourquoi? Parce que nous sommes arrivés au chapitre 16 et le chapitre 16, c'est la croisée des chemins. C'est un virage que le Seigneur a donné. Nous avons conclu la série passée. Il sera prêché cet évangile du royaume jusqu'au chapitre 15 et le chapitre 16, c'est un virage. Le Seigneur, comme Fils, a reçu une mission du Père et cette mission du Père. C'est pour qu'il puisse engendrer l'Église et aussi édifier l'Église qui est sa fiancée. Dans cette première semaine, nous allons voir le chapitre 1 au chapitre 15 pour nous rappeler, pour un peu faire une révision avant de commencer le chapitre 16. Et vers la fin, je parlerai du chapitre 16 encore dans cette semaine. Alors, allons-y. Dans cette semaine, c'est une rétrospective du chapitre 1 au chapitre 15. Je voudrais montrer que l'évangile de Matthieu a été écrit par Matthieu lui-même. Alors, pourquoi Matthieu? Pourquoi Dieu a-t-il appelé Matthieu pour écrire ce livre? Premièrement parce qu'il était publicain, il était un collecteur d'impôts et pour cela il était haï du peuple juif, car il collectait des impôts pour le gouvernement romain, pour l'Empire romain. Et avec cela donc il, il tirait, il profitait de, de, pour recevoir des avantages. Comme il, il appartenait à la fonction publique, il connaissait quel étaient les méandres de la politique et comment fonctionnait un gouvernement. Donc, Matthieu était quelqu'un qui était bien indiqué pour écrire l'évangile de Matthieu, car il va présenter le roi du royaume des cieux. Et ce roi du royaume des cieux était le Messie lui-même tant espéré le fils de David, comme il est dit en Israël, lorsqu'on parle du fils de David, cela fait référence au Messie qu'ils attendaient tant. Car Dieu leur avait dit que du trône de David, il ne leur manquera, il ne leur manquerait aucun, il ne leur manquerait pas de roi pour leur trône. Et donc, cela était en train de s'accomplir. Le Messie, c'était ce roi, Jésus alors, on va parler un peu de son origine. il est de la descendance de david, comme nous l'avons dit. cependant, nous voyons qu'il a été introduit. Euh, pardon. il a été introduit. il y a eu une, il y a eu une présentation avant qu'il n'entre ne, comme roi n'en parler avant qu'il n'apparaisse alors qui est ce qui a fait cette présentation du roi c'est jean baptiste jean baptiste est apparu pour planifier les chemins du seigneur vous vous en rappelez n'est ce pas pour euh, rendre ce chemin euh, droit là c'était dans le cœur des hommes donc Jean-Baptiste devait précéder le Seigneur car il était le précurseur du Seigneur pour préparer le chemin. Et lorsque le Seigneur viendrait, il pourrait cheminer sur cette voie, sur ce chemin préparé, c'est-à-dire un cœur ouvert pour recevoir le Seigneur. Et nous pouvons voir cela. Je voudrais vous montrer un verset. Dans Ésaïe 14, il dit ceci. Préparer, préparer le chemin, enlever les obstacles sur le chemin de mon peuple. Donc, Jean-Baptiste est venu justement pour faire ce travail de frayer, frayer le chemin, de valer les dépressions pour les remplir de terre, afin que tout soit aplani euh, pour que le Seigneur puisse travailler dans le cœur des hommes. Donc, nous allons continuer. Après le chapitre 4, Jésus a été tenté par le diable. Et après, il a appelé les quatre premiers disciples qui sont Pierre, André, Jean et Jacques afin de l'aider à prêcher l'évangile. Je parle de tout cela d'une manière synoptique, d'accord? Et après, chaque point sera développé. Et le chapitre 5 du Matthieu, nous voyons les béatitudes. Et 5.3, c'est la béatitude la plus importante, qui est être pauvre d'esprit ou humble d'esprit. Jusqu'au chapitre 15, le Seigneur donnait du repos à ceux qui travaillaient pour le Seigneur. C'est dans Matthieu 11.28, lorsque le Seigneur dit... Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et surchargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Vous vous rappelez de cela? Donc, lorsque nous prenons le joug du Seigneur, lorsque nous prenons le fardeau du Seigneur, alors nous sommes plus légers, et le travail que nous faisons, servant le Seigneur, est bien léger, et même très plaisant, sans aucun poids. Mais lui-même ne se reposait pas. Au chapitre 8, verset 20, qui dit ceci, Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Lui-même ne se repose pas. Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, il est sur le trône de la majesté du Père. Mais il... Auprès du Père, mais il travaille encore. Il intercède pour nous. Il prend soin de nous chaque jour, nous donnant assistance. C'est notre Seigneur merveilleux. Et alors, quand va-t-il se reposer? Lorsque l'Église sera édifiée. Lorsque l'Église sera édifiée, alors finalement, Dieu aura une demeure, une maison, dans laquelle il pourra réellement avoir son repos. Nous rendons grâce au Seigneur. Alors, allons faire un résumé rapide des de 15 chapitres à partir du chapitre 1. Donc, le chapitre 1 parle de son origine et de sa naissance. Et sa naissance a été d'une manière extraordinaire. Ce n'était pas quelque chose de commun, car il est né de la femme. Dans sa naissance, il n'y a pas eu de la participation d'un mâle, d'un homme, non. Car il est né uniquement de la femme conçue par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui a conçu Jésus dans le ventre de Marie. Donc, il est né de la femme. Allons voir cela aussi pour corroborer cela. C'est dans Galat 4.4. Bien que nous connaissions déjà ce verset, mais il est bon que nous puissions lire de nouveau car c'est très important ce concept. Chapitre 4 de Galates, verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi. Donc nous rendons grâce au Seigneur car le Seigneur Jésus est né de la femme, donc il a la, la ressemblance de la chair du péché, mais il n'a pas de péché, car celui qui transmet le péché, c'est l'homme. À travers la semence, il transmet cela à la femme, mais dans ce cas présent, comme Jésus, dans la naissance de Jésus, il n'y a pas eu la participation d'un homme, donc sa chair est sans péché. Alors, il a la ressemblance de la chair du péché. C'est pour cela qu'il a été digne de mourir à notre place, prenant tous nos péchés. Il est allé à la mort. Il a mené à la mort aussi le Satan, le monde, mon égo, mon vieil homme, mon homme naturel. Tout cela est parti dans un paquet. Lorsqu'il est allé à la croix, il a amené avec lui toutes ces choses. Grâce soit rendue au Seigneur chapitre 1, il y a deux versets qui attirent réellement l'attention. C'est 1, 21, Matthieu 1, 21, qui dit ceci. Elle enfantera un enfant et tu lui donneras le nom de Jésus, car lui, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, premièrement, son nom c'est Jésus, car Jésus signifie Dieu le sauveur ou Jéhovah le sauveur. Donc, il est venu finalement pour sauver son peuple de leur péché. Il a aussi reçu un autre titre qui est Emmanuel, c'est au verset 23. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Alléluia. Donc, allons à mardi. Le titre de mardi, c'est Introduire le roi du royaume des cieux. On y il parle de la fuite vers l'Égypte, Matthieu 2, et après il revient d'Égypte et ne va pas à Bethléem, mais va à Nazareth. Chapitre 2, 23, où il a grandi, étant connu comme le Nazaréen, Jésus le Nazaréen. Et on va au chapitre 3. Nous voyons Jean-Baptiste, le précurseur. Il est apparu, à ce temps-là, paru Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Et il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et après, 3, 11. Voyez, ouais, donc c'est le témoignage même de Jean-Baptiste. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc c'est le témoignage même de Jean-Baptiste. Une autre chose qui est importante aussi qu'il a vu, il a été le témoin oculaire. C'était le, le baptême de Jésus. Même Jean a été surpris de voir que Jésus se soit présenté à lui pour être baptisé. Et 3,14, il dit ceci, mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Donc, il a, et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu. Vous voyez donc la scène. Descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et tout cela a été vu par Jean-Baptiste. Il a été témoin de cela et il n'y avait aucun doute qu ait, que Jésus était le fils bien-aimé du Père. Dans Jean 1, 36, 37, Jean était avec ses disciples et quand Jésus est passé, il, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et lorsqu'il a dit cela, deux de ses disciples ont suivi Jésus, laissant Jean-Baptiste pour suivre Jésus. Et ça, c'était l'attitude correcte dont Jean-Baptiste lui-même ayant reconnu s'il a rendu témoignage, s'il a été témoin oculaire de ce que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il n'avait aucun doute, il aurait aussi dû suivre le Seigneur Jésus à l'exemple de ces deux disciples, c'est ce qu'il aurait dû faire. Car sa venue ici sur terre, justement, c'était pour présenter le Seigneur, pour introduire le Seigneur. Mais lorsqu'il aurait terminé de faire cela, il aurait tout arrêté pour suivre Jésus. Son travail serait terminé dans Actes chapitre 13, 13, 25. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait, je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici après moi vient celui dont, celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier les souliers. Prêtez attention à la première phrase. Et lorsque Jean achevait sa course, dont Jean avait achevé sa course. Lorsque Jésus est apparu, c'était fini. Et il, dev, il aurait dû suivre le Seigneur Jésus et mettre fin à ses activités. Maintenant, on va à mercredi. Mercredi, c'est sur le chapitre 4, qui dit ceci. Le Seigneur Jésus a été tenté, mais nous rendons grâce au Seigneur car il a vaincu la tentation. Matthieu chapitre 4, allons voir, après la tentation, le Seigneur commence à prêcher l'évangile. Chap... Verset 12, il dit ceci, « Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée, et quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Naphtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Naphtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Lorsque Jésus parcourait cette région de la Galilée, il était la lumière en elle-même. Une grande lumière est apparue dans la Galilée des gentils. Cela est très important. Au verset 23 aussi, voyez donc ce que le Seigneur faisait. Jésus parcourait toute la Galilée enseignant dans les synagogues prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. C'est ce que le Seigneur faisait. Premièrement, du côté positif, le Seigneur prêchait l'évangile du royaume. Du côté négatif, il guérissait toutes sortes d'infirmités, toutes sortes de maladies, toutes sortes de maladies. C'est la conséquence de ce que l'homme se soit déconnecté de Dieu après la chute de l'homme à cause de Satan. Lorsque l'être humain s'éloigne de Dieu et se déconnecte de Dieu, alors toutes sortes de, de mots apparaissent dans la vie de la personne. Donc le Seigneur Jésus. Devant cette multitude remplie de problèmes d'infirmité, le Seigneur les guérissait les uns après les autres. Et les maladies, les infirmités sont les conséquences du péché, la conséquence de la chute de l'homme. Le Seigneur est venu pour apporter le salut par rapport à cela. Car sans l'avènement du Seigneur Jésus. Tout était dans le désordre. Le Seigneur Jésus est venu pour euh, remettre de l'ordre dans les choses. Et nous avons le chapitre 5 à 7 qui parle de la constitution du royaume des cieux. Et une des béatitudes qui attire l'attention, c'est le verset 3 du chapitre 5, n'est-ce pas? Qui dit Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Chapitre 5, verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beatitude. Et la dernière béatitude, il dit ceci, verset 12, finalisant tout, il dit, Réjouissez-vous et soyez dans la légresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont, qui ont été avant vous. Je voudrais attirer l'attention des frères dit ici Votre récompense sera grande dans les cieux. Donc tout ce que nous faisons pour Dieu, il nous récompense pour cela. Ne pensez pas que Dieu ne sait pas, même les choses minimes que vous, faites, que vous lui faites en le servant, il le sait. Et il va vous récompenser, même si c'est peu. Il va vous récompenser. Et à le verset de Hébreux 11. Hébreux 11, 6. Qui dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est sensationnel, n'est-ce pas, ce verset? Ce verset est très bon. Donc, allons à jeudi. Jeudi, nous allons parler euh, chapitre 8 et 9. Principalement, le chapitre 8, L'épisode principal, lorsque Jésus traversait la mer de Galilée avec les disciples dans la barque, il a commencé à avoir une tempête. La tempête s'est élevée et a provoqué des grandes vagues qui chahutaient la barque et les disciples avaient peur de sombrer. Mais le Seigneur était tranquille dans la barque et dormait. Les disciples sont allés réveiller le Seigneur et lorsque le Seigneur s'est réveillé, il a repris la mer et le, le vent. Voyez donc, chapitre 8, verset 26, Jésus leur dit, Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer et il y eut un grand calme. La vie avec le Seigneur c'est toujours un grand calme, mais le plus souvent, si nous nous éloignons du Seigneur, alors nous allons affronter les vents et la mer. Les vents, la partie céleste où se trouvent les principautés, les domination, c'est l'habitat des démons. Et tout cela, le Seigneur, et la mer, la mer c'est l'habitat des démons. Donc le Seigneur a repris tout cela et il s'est fait un grand calme. Chapitre 9, 35 à 36 dit ceci. Jésus parcourait toutes les villes et les villages enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Une fois de plus, le Seigneur montre ce qu'il était venu faire ici sur terre. Et principalement, c'est la prédication de l'évangile du royaume. C'est le côté positif toujours à amener le peuple, ramener le peuple vers Dieu, pour se reconnecter à Dieu et remettre de l'ordre dans la vie des personnes. Et le verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Donc le Seigneur Jésus a été Ému, il fut ému de compassion à l'intérieur de lui, de voyant les personnes dans cette situation de calamité. Il a vu ces personnes et il fut ému de compassion, de cette compassion si plaque non, ce sentiment, euh, qui vient des entrailles. Cela est très puissant et nous devons apprendre cela de Jésus. Et le peuple, la foule, étaient languissantes et abattues comme des brebis qui n'ont point de berger. Un très bon, n'est-ce pas, cela? Et le chapitre 11, le chapitre 10, il, a, pardon, il appelle les douze disciples pour l'aider dans la prédication de l'Évangile. Voyez donc, puis ayant appelé ces douze disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les démons impurs et de guérir toutes sortes de maladies et toutes infirmités. Rappelez-vous, les maladies et les infirmités, ce sont les conséquences de la chute de l'homme. Les conséquences de ce que l'homme se soit éloigné de Dieu, alors toutes sortes de désordres s'installent. Et la conséquence, c'est cela. Verset, verset 5. Quels sont les douze que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes? Donc Jésus envoie ses douze disciples pour la prédication de l'évangile du royaume. Cela montre que le peuple était dans un grand besoin et aujourd'hui, c'est la même chose. Le peuple est dans un. Euh, donc, euh, pour le royaume de Dieu ici sur terre, Dieu vous utilise. Vous et moi, que nous nous mettions à la disposition pour euh, prêcher l'évangile du royaume, n'est-ce pas? L'urgence est très grande aujourd'hui. Nous devons réellement prêcher cet évangile. Chapitre 11, il y a un épisode très triste, comme j'avais déjà dit euh, antérieurement, que Jean-Baptiste connaissait Jésus. Il savait qui était Jésus. Il, il connaissait la mission du Seigneur Jésus ici sur terre, et il était celui qui préparait le chemin du Seigneur. D'une manière surprenante, il envoie ses disciples demander à Jésus C'est toi celui qui. Est-ce, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Vous voyez, cela, pour nous, pour moi, ça sonne étrange. Et malheureusement, c'est cela. Si nous ne suivons pas l'agneau, si, si nous arrêtons d'être le disciple de l'agneau pour faire notre propre œuvre, nous finissons par perdre la vision. Nous perdons ce que Dieu nous a donné. Et notre vision devient floue et nébuleuse. Malheureusement, c'est cela. Alors, utilisons les outils que le Seigneur nous a donnés, le colportage dynamique, avance jeune, les femmes connectées, les réseaux de soins. Je vais faire une citation de la nourriture quotidienne même qui dit ceci. bien que nous ayons de bons résultats, avec l'utilisation des outils disponibles, nous ne nous arrêtons pas. car, justement, lorsque tout paraît bien, c'est là où se trouve le danger. Rappelons que le titre de jeudi, c'est prendre soin avec succès. c'est un avertissement qui nous est donné lorsque tout va bien, pratiquant le colportage dynamique, le colportage par heure, le colportage par opportunité, participant à avance jeune, participant aux femmes connectées, maintenant aux hommes de prière, dans les réseaux de soins. Nous pouvons avoir du succès dans tout cela. Mais faisons attention au succès. Le Seigneur veut que nous continuions à être pauvres en esprit, humble d'esprit. Toujours avec un cœur contrit, un esprit contrit, un cœur abattu et un amour révérant à sa parole. Amen. Maintenant, on va à vendredi. Vendredi, c'est obéir à la parole prophétique pour alimenter la multitude. Ça, c'est déjà le chapitre 12. Au chapitre 12, nous avons les Juifs qui demandent au Seigneur, Donne-nous un signe. Ils faisaient cela pour tenter le Seigneur. Ils n'avaient aucun intérêt. Ils ne s'intéressaient même pas pour, à recevoir la parole du Seigneur. Le Seigneur a dit, aucun signe ne vous sera donné. Le seul signe que vous, vous aurez, c'est le signe de Jonas. C'est quoi le signe de Jonas? Le signe de Jonas, c'est le signe de la mort et de la résurrection. Ça ne sert à rien de discuter avec eux parce qu'ils ne comprendraient rien. Ils vont comprendre uniquement lorsque le Seigneur serait mort et ressuscité. Et là, oui, ce sera le grand signe. Et ils, ils, allaient, ils devaient croire par cela. Verset 50 de ce chapitre qui dit ceci. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est lui -là et mon frère et ma soeur, et ma mère. Donc tout le monde connaît cet épisode. La mère de Jésus et ses frères, ses sœurs, sont allés lui rendre visite et voulaient lui parler. Jésus était occupé au milieu d'une prédication de l'évangile du royaume des cieux et tout d'un coup ils sont venus l'interrompre pour lui dire que sa mère et ses frères et sœurs sont venus pour lui parler c'est pour cela frère que lorsque nous sommes impliqués dans les choses de dieu impliqués pour faire la volonté de dieu nous devons être focalisés comme le seigneur jésus lui-même il était focalisé Et en ce moment là, l'intérêt de Dieu était en première position. La volonté de Dieu était au-dessus de tout, et même pas dessus, était même au-dessus de la famille, et cela est très important. Le chapitre 13 parle des, des paraboles. Le Seigneur était celui qui est sorti, qui est allé semer. Pour semer quoi La semence du royaume des cieux. Nous rendons grâce au Seigneur, car aujourd'hui aussi, lorsque nous prêchons l'évangile du royaume, nous serons en train de semer la semence du royaume. Il ne s'agit pas de l'évangile de la grâce. L'évangile de la grâce, c'est tout simplement pour, se, pour être sauvé de la perdition éternelle et recevoir le salut. Mais l'évangile du royaume, il sème. La semence du royaume dans les personnes, préparant les personnes pour le royaume à venir. Amen. Au chapitre 14, nous voyons la mort de Jean-Baptiste. Dans ce même chapitre 14, il y a un événement très important l'épisode de la multiplication des pains. 14-13 qui dit ceci. À cette nouvelle, Jésus partit de la, dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert et la foule, ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Pour résumer, les disciples sont venus vers Jésus et ont dit, Seigneur, il y, y a tant de personnes ici et la nuit s'approche, il faudra les renvoyer pour chercher à s'alimenter à trouver de la nourriture dans les villages. Jésus a dit non donnez-leur vous-même à manger. Les Disciples n'avaient rien ils disaient mais comment allons-nous alimenter cette multitude? Et un disciple a dit il y a un garçon ici avec euh, cinq pains de poisson. C'est passé pour tout le monde et Jésus a dit apportez cela. Et Jésus a pris, il a levé les yeux vers le ciel, et il rompit le pain et le poisson, il est remis aux disciples. Et jusqu'alors, aucun miracle ne s'était accompli. Mais lorsque Jésus a remis cela aux disciples, ils ont commencé à distribuer, ils distribuaient et ça n'en arrêtait pas. Donc, c'est là où le miracle se passait. Alléluia. Donc, frère, lorsque nous nous présentons au Seigneur, même n'ayant rien, c'est bon, car lorsque nous n'avons rien, justement, c'est à ce moment que nous dépendons du Seigneur. Car si nous avons quelque chose en nous-mêmes, nous allons vouloir dépendre de cette chose naturelle que nous avons, mais nous rendons grâce au Seigneur, car nous n'avons rien, mais c'est le Seigneur. On dit au Seigneur, voilà le peu que nous avons, et le Seigneur va multiplier et nous remettre cela. Et nous allons donc pouvoir utiliser cela en distribuant, distribuant, et ça n'en finira pas. Nous rendons grâce au Seigneur. Ça, c'est l'effet de la multiplication des pains. Et nous parvenons donc à samedi chapitre 15. Alors, les pharisiens, les scribes qui cherchent à tuer le Seigneur. Ils planifiaient, ils conspiraient pour préparer un complot pour tuer le Seigneur Jésus. Alors le Seigneur Jésus a parlé de la tradition des anciens. La tradition des anciens. Car les pharisiens sont venus lui dire, nous nous lavons les mains avant de manger et tes disciples ne font pas cela. Alors, cette tradition des anciens représente leur jurisprudence, car la loi même était le Pentateuch, la loi originelle qui a été donnée par Moïse. Et ça, c'était leur constitution. Mais au cours des années, ils ont ajouté la jurisprudence et tout cela, c'est la tradition des anciens. Et nous savons que... que la tradition des anciens, c'est des choses qu'ils ont mises sur place pour faciliter leur vie. Donc, ils ont arrêté de suivre la loi originelle qui est la loi de Moïse. Donc, ça, c'est la tradition des anciens. Et après, il parle aussi de la femme phénicienne Donc, c'était une gentille, une païenne. Jésus allait vers et Sidon, vers la limite d'Israël. Alors cette femme est apparue qui représente les païens. Elle est une femme païenne. Jésus a dit, le pain, c'est pour les enfants. Mais la femme, étant très sage, a dit, mais les enfants font tomber des miettes de la table. Alors les chiens peuvent en manger. Elle a été très sage en disant cela. Jésus était ce pain qui était destiné aux enfants, qui était destiné à la maison d'Israël. Mais la maison d'Israël n'a pas reçu le Seigneur. Alors le Seigneur est tombé comme miette sur le sol et les petits chiens avaient accès à cela et cela représente les païens les gentils. Très bien. Maintenant, cela montre que le Seigneur se tourne vers les païens. Romains 11, 25 dit jusqu'à la plénitude des païens. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, le Seigneur a ouvert la porte à l'entrée pour que les païens puissent entrer dans le royaume. Cela montre encore qu'il est très urgent de prêcher l'Évangile. Le chapitre 15 finalise en disant que le Seigneur a donné du repos à ceux qui travaillent avec lui. Debut Matthieu, Matthieu 11 de 28 à 30. Et qu'est-ce que cela nous enseigne? Que nous devons être obéissants à la parole. Simple et obéissants. C'est ce que nous devons voir. Car nous avons peu de force. Mais le Seigneur peut nous utiliser. Et donc nous arrivons au chapitre 16 et on va à Isaïe 66. Allons dans Isaïe 66. Chapitre 66, verset 1. Voyez donc. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Voyez donc, frère, si en fait le Seigneur est en train de chercher un lieu de repos, quand va-t-il pouvoir se reposer? Ce repos est lié à la construction de sa maison, dont le Seigneur est en train d'attendre l'édification de la maison. en fait de main d'homme, mais par la vie de Dieu. Et au chapitre 2, la partie B dit ceci. Dit l'Éternel, voici sur qui je porterai mes regards. Qui sont ceux qui vont édifier la maison au Seigneur, édifier un lieu de repos au Seigneur? Ce sont ceux-ci. Celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Donc là, la version King James actualisée dit Celui qui aime, celui qui aime, qui a de la révérence par rapport à la parole de Dieu, celui qui a un amour révérend par rapport à la parole de Dieu. Pour nous aujourd'hui, c'est la parole prophétique. Et nous devons suivre, frère, cette parole prophétique. Car c'est elle qui nous donne le support dans notre vie quotidienne. Chapitre 24, aussi, nous donne un panorama de ce qui va se passer euh, dans le futur. C'est toi. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera t il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et le Seigneur leur montra qu'il y aura beaucoup de choses qui vont se passer, mais un jour apparaîtra le figuier, et lorsque le figuier apparaîtra, vous saurez que l'hiver est proche. Ce figuier représente le peuple d'Israël. L'État d'Israël a été restauré en 1948. Mais lorsque l'État d'Israël est apparu, c'était le signe de ce que l'avènement du Seigneur était proche. Et s'il dit, cependant, le, le facteur déterminant de la fin dépend de l'Église. Prêcher l'évangile du royaume dans tout le monde habité, et comme témoignage dans toutes les nations, alors la fin viendra. Le chapitre 16, 24, c'est le facteur déterminant de la fin. Ce ne sont pas les guerres, les rumeurs de guerre, les tremblements des terres, rien de cela. 24. Si autre important. Un autre verset important. Et cet évangile du royaume sera prêché, c'est Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce qui détermine la fin, c'est la prédication de l'évangile du royaume. Alors, on va donc euh, voir le chapitre 16. Ah, plus tard, on verra plus profondément. Là, c'est l'édification du royaume, l'édification de euh, l'Église. Jésus, le Fils de Dieu, a reçu cette mission d'engendrer et de produire l'Église qui est sa fiancée que nous sommes aujourd'hui. Merci beaucoup. Jésus est le Seigneur.